Chers collègues, Monsieur Carlos Fuentes, j'ai la joie, au nom de toute l'Université Bordeaux 3, d'accueillir probablement l'un des plus grands auteurs du monde, ce qui, évidemment, crée chez nous une très forte émotion. Je voudrais, avant de commencer mon discours, présenter les excuses de Monsieur le recteur de l'Académie de Bordeaux, qui a été appelé en urgence au ministère pour des raisons budgétaires, qui sont un peu tristes, finalement, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Chacun sait que les relations entre nos deux pays, le Mexique et la France, ne sont pas franchement au beau fixe, pour des raisons qui nous dépassent quelque peu. Chacun sait que nous devons subir l'annulation de l'année du Mexique en France, ce qui est extrêmement dommage, et même si nous le regrettons tous, et il aurait été inconvenant de ma part de ne pas le rappeler. Mais les relations diplomatiques, évidemment très importantes, importent moins lorsqu'il est question d'art ou de littérature. Et votre venue, Monsieur Carlos Fuentes, en est une preuve. Votre œuvre dépasse les frontières, bouscule les usages diplomatiques, et c'est une véritable chance pour nous de vous avoir dans un amphithéâtre absolument ou presque complet qui dénote tout l'intérêt que votre œuvre possède dans Bordeaux. Il n'est pas usage que le président en exercice fasse l'éloge de l'œuvre du futur docteur honoris causa, car Elvire Gomez-Vidal, spécialiste de littérature ibéro-américaine et directrice de l'équipe de recherche à Méribert, l'une des plus brillantes de notre université, le fera beaucoup mieux que moi. Je me permettrai simplement d'évoquer un ouvrage que j'ai lu de vous, Christophe et son œuf. Quel auteur, en effet, aurait pu avoir, outre ce trait de génie, de faire parler un fœtus dans le ventre de sa mère, et en étant capable aussi de dénoncer les problèmes de son pays. Qui peut aussi, tout en les posant, apporter aussi une lumière intérieure porteuse d'espoir. Pour pointer les défauts de notre société, nous n'avons plus en France, en guise de littérateur, que d'ex-nouveaux philosophes en col de chemise ouvert, qui se mêlent de politique étrangère et prétendent apporter des solutions à tout. Vous êtes plus modeste, Seigneur Fuentes, mais combien plus efficace. Nous savons que, depuis la parution de Christophe et son œuf, la situation du Mexique ne s'est guère améliorée. Pourtant, votre œuvre est porteuse d'espoir. Vous êtes une lumière pour un pays, mais aussi pour l'armée entière de vos lecteurs dans le monde. Et c'est ce que je n'hésiterai pas à appeler ce héros de la littérature mondiale que l'Université Michel Montaigne Bordeaux III accueille aujourd'hui. Et en son nom, je voudrais, Monsieur Fuentes, vous dire merci de votre œuvre et d'être venu surtout vous voir à Bordeaux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, chers amis, Carlos Fuentes, vous recevoir dans notre université est un immense honneur, une très grande joie, une joie très pure pour tous ceux qui sont venus vous voir et vous entendre après avoir lu tout partie de vos œuvres. Pour ce geste, comme notre président, je vous remercie et j'en mesure le privilège, car c'est toujours un moment d'intense émotion pour les lecteurs que nous sommes de voir s'incarner la figure de l'auteur de tant de créations, de romans puissants, de nouvelles remarquables, d'essais audacieux, d'œuvres théâtrales aussi, qui ont marqué, mais aussi bouleversé, la littérature de langues espagnoles et la littérature mondiale. C'est en hommage à votre œuvre que nous avons nommé la journée d'études qui a précédé cette cérémonie, le Mexique et ses frontières de cristal. Cette expression, la frontera de cristal, est de vous.
Elle est l'un des titres d'une de vos plus belles œuvres de ces dernières années, La frontera de cristal, una novela en nueve cuentos, de 1996, un roman en 9 nouvelles. Motif récurrent de ces nouvelles, la frontière de cristal se décline, et j'ai préféré garder cristal et ne pas dire verre, qui n'a pas les mêmes... qui n'entraîne pas le même éventail de connotations que le cristal. Hein? Et ceci, cette frontière de cristal, elle se décline sous diverses formes et variantes. Elle est certes la frontière qui sépare les États-Unis et le Mexique, vitrine des mirages du Nord. Elle est aussi cette raya, ce trait d'ordre politique, cette ligne de partage qui dépasse injustement la terre appartenant à tous, d'un côté et de l'autre de la frontière, associée à l'illusion, à la fragilité, à la beauté, à la blessure aussi. Le cristal se dote d'une solidité insoupçonnée en devenant édifice. Ainsi, ces superbes et terribles usines, las maquilas, miroitantes, je cite, « mirage de verre et d'acier brillant », dites-vous. Ou encore la tour de New York, où, séparé par une vitre, le laveur de carreaux mexicain et cette cadre new-yorkaise échangent un baiser passionné. Le cristal devient imposant et labyrinthique, telle une pyramide précolombienne dans l'expression « Teotihuacan de vidrio », fallacieux dans l'expression « un château de cartes de cristal ». Cette frontière qui sépare le Mexique de son puissant voisin du Nord, c'est aussi celle qui sépare les vivants et les morts, les puissants et les pauvres. Ce motif de la frontière de cristal pose certes l'existence d'une invisible limite qui est non seulement la métaphorisation d'une frontière géopolitique, mais aussi des mille frontières qui séparent les êtres les uns des autres, qui les séparent certes, mais qui les unissent également, car la frontière est le lieu du passage, le lieu privilégié de la rencontre, voire de la fusion. De fait, toute votre œuvre est non seulement traversée par cette recherche identitaire, à la fois individuelle et collective, mais aussi animée par un questionnement textuel qui interroge constamment les formes que vous utilisez dans votre écriture. Il y a, pour comprendre votre œuvre, il faut une prise en compte de l'épaisseur du langage et des fluctuations du discours narratif. Jeux de mots, contrepèterie, parodie, travestissement burlesque. Il y a des strates de langue qui sont présentes. Il y a des changements de perspective, une pluralité de voix narratives, des jeux avec la temporalité, avec les espaces. Une aptitude extraordinaire à faire coexister le réalisme et le fantastique, l'humour et le tragique, de telle sorte qu'ils se resignifient mutuellement. Ainsi, ce roman en 9 nouvelles trouve de lointaines racines, sans aucun doute, dans les novelas ejemplares de Cervantes, à la source du roman contemporain, comme le Quichotte. Les frontières entre les nouvelles qui composent ce roman hybride sont à la fois revendiquées et abolies par le retour des mêmes personnages d'une nouvelle à l'autre, mais dans une hiérarchisation différente, abolies surtout grâce à la dernière nouvelle, qui est le lieu textuel des retrouvailles de la plupart des personnages marquants de la novela Nueve Cuentos, un lieu où sont déposés les espoirs d'une reconstruction à venir de l'espace frontière et où le cri de victoire de José Francisco, celui qui collecte des mots provenant des deux côtés de la frontière, résout les contradictions de celle-ci, je cite, « en brisant pour toujours le cristal de la frontière ». Mais cette 9e et dernière nouvelle, c'est aussi celle qui anéantit et perpétue à la fois la contradiction inhérente à ce roman, qui sépare d'une frontière de cristal chacune des nouvelles, et qui cependant, grâce à la transparence de celui-ci, les unis et les soudes en tant qu'ensemble. C'est donc un tour de force que vous réussissez là, puisque ces histoires autour de la frontière séparant le Mexique et les États-Unis dépassent largement ce cadre géopolitique
et elle constitue aussi une histoire des limites de leur inéluctable existence, de leur éclatement, de leur dissolution grâce à la rencontre. Mais ce roman est encore l'aventure textuelle d'un texte en 9 nouvelles inscrit dans la dynamique fructueusement antithétique de la continuité et de la discontinuité qui fait fusionner une hybridicité culturelle, sociale et une hybridicité textuelle, le roman et la nouvelle. Donc ce roman en 9 contes sur lequel je me suis peut-être étendue, cette entrée oblique que j'ai choisie pour évoquer votre œuvre, illustre, je crois, bien des facettes de votre écriture. Et à travers son examen, j'ai tenté de donner un aperçu de l'audace et du caractère novateur de vos brillants écrits. L'idée de la transparence était d'ailleurs présente dès votre premier grand roman, La Región Más Transparente, de 1958, imposante fresque de la ville de Mexico, qui intègre non seulement une vision globale de la société mexicaine post-révolutionnaire, mais encore ses mythes et ses antiques croyances précolombiennes, avec cet étrange et fascinant personnage de Ixca Cienfuegos et de sa mère Teodula Moctezuma, gardienne des anciens rites et croyances. Ixca Cienfuegos, en proie au doute lorsqu'il affirme, je cite, « Notre monde est mort, Teodula, pour toujours. » Ixca Cienfuegos, Edmond Cross a dit de lui Quetzalcoatl christique, qui est aussi l'émanation même de cette ville de Mexico. Je cite le texte, « Et Cienfuegos, sans feu, littéralement, était avec ses yeux d'aigle de pierre et de serpent d'air, la ville même, sa voix, ses souvenirs. » Car la mémoire et la mémoire du passé est au cœur de vos œuvres en tant que clé de compréhension du présent et en tant que ciment d'un avenir à inventer. Ainsi, dans votre superbe essai de 2011, La Gran Novela Latinoamericana, le grand roman latino-américain, vous affirmez, je cite, que le passé dépend de notre mémoire ici et maintenant, et l'avenir de notre désir ici et maintenant. La mémoire et le désir sont notre imagination présente. Tel est l'horizon de nos constantes découvertes, tel est le voyage qu'il nous revient de renouveler jour après jour. C'est pour cela que nous écrivons des romans, dites-vous. Et il y a dans vos œuvres une recherche passionnée de l'identité du Mexique qui passe par une représentation de la société mexicaine, c'est vrai. Cependant, vos œuvres littéraires ne relèvent nullement de la littérature engagée telle que l'a définie Sartre, pas plus que du réalisme. Elle dépasse largement ses perspectives au profit d'un humanisme au sens le plus large du terme, d'un exercice de liberté et d'audace au plan des intrigues et au plan de l'écriture. D'ailleurs, cet humanisme et votre amour pour la justice et pour la liberté, votre foi en une démocratie vivante, se sont manifestés à maintes reprises dans des prises de position courageuses, publiques, d'une grande dignité, à contre-courant des pouvoirs dominants, des politiques réactionnaires, mais aussi dans des essais marquants. Ainsi, lorsque vous avez été ambassadeur du Mexique en France en 1975, les portes de votre ambassade ont toujours été ouvertes aux réfugiés politiques latino-américains et à la résistance espagnole de la fin du franquisme. Et vous n'avez pas hésité à démissionner de ce poste en 1977 pour marquer votre désaccord avec votre gouvernement, ou à prendre parti plus récemment pour les révolutionnaires du Chiapas d'inspiration zapatiste. Et puis toujours vous revenez sur cette blessure ouverte qu'est pour vous le massacre des étudiants le 2 octobre 1968 à Tlatelolco à Mexico, à la veille des Olympiades, comme dans votre essai « Les 68 », Paris, Prague, Mexico. Votre liberté de penser et votre courage ont toujours été exemplaires. Il y a dans vos œuvres fictionnelles une recherche passionnée de l'identité du Mexique, non pas dans l'optique d'un enfermement
ou d'un repli, mais dans la mise en vis-à-vis éclairée de votre pays avec le monde, avec le passé gréco-colombien et gréco-latin, et avec le présent et l'univers d'aujourd'hui, afin que s'ouvrent les portes du futur. La muerte de Artemio Cruz est certes l'histoire de l'ascension d'une nouvelle bourgeoisie issue de la révolution mexicaine de 1910, mais c'est aussi l'histoire de la conscience d'un homme aux prises avec la mort sur son lit d'agonie, un personnage diffracté en trois instances, un je, un tu, un il. Et puis dans ce livre, il y a une phrase magnifique, comme un refrain, une phrase inoubliable. Ce jour-là, nous traversâmes la rivière à cheval, qui revient donc comme un leitmotiv et qui est le déclencheur du souvenir de ce fils qu'Artemio Cruz perdit, ce fils qui fit le choix de rejoindre les républicains espagnols. Mais vouloir donner un aperçu de vos œuvres, comme je le fais ici, à grands traits, c'est les appauvrir, j'en suis consciente, car je ne puis rendre en quelques mots leur profondeur, leur richesse intertextuelle et culturelle, les mille pensées, les trouvailles esthétiques avec lesquelles vous les avez pétries. Et c'est une réflexion de vous, je crois, qui illustre mieux que je ne saurais le faire la somptueuse trame de vos romans. Je vous cite. Le roman est l'instrument du dialogue dans le sens le plus fort du terme. Non seulement le dialogue entre les personnages, comme l'avait entendu le réalisme social et psychologique, mais le dialogue entre genres, entre forces sociales, entre langues et entre des temps historiques contigus ou éloignés, comme l'avaient compris et continuent de le comprendre les créateurs du roman Cervantes, Stern et Diderot hier, Joyce, Kafka, Wolf, Brock et Faulkner en ce siècle, et Juan Rulfo. Fin de citation. Mais, et vous-même, pourrait-on ajouter, et vous-même, car vos œuvres se caractérisent par ce dialogue entre les temps, les espaces et les hommes, qui jaillit en polyphonie éblouissante dans bon nombre de vos romans, comme Cambio de piel de 1967, dont on a parlé tout à l'heure, dont notre collègue et ami Doritanu a parlé tout à l'heure, ou encore ce chef-d'œuvre qu'est Terra Nostra de 1975. Dès Cambio de piel, peau neuve, si les aventures des quatre héros du roman se déroulent dans un haut lieu des anciennes cultures mexicaines, olmèques, aztèques, toltèques, la pyramide de Cholula, le narrateur introduit d'autres temps et d'autres espaces, notamment la conquête espagnole, puisque la description de la Cholula d'aujourd'hui alterne avec le récit de la prise de Cholula par les Espagnols au XVIe siècle. Surviennent également des récits relatant l'histoire de la diaspora juive dès les années 70 de notre ère et les massacres des Juifs au Moyen-Âge pour en venir à leur extermination organisée par le régime nazi. Convocation et des espaces dans un seul lieu, Cholula, dans une seule durée de 24 heures, Cambio de piel tient du drame classique et du mythe aussi, dans lequel l'histoire et ses déviances seraient jugées par la fiction, qui se chargerait d'assurer la mutation de ces cycles, d'où le titre de l'œuvre, Cambio de piel, peau neuve. Cette convocation de l'histoire dans la fiction est la clé de votre magnifique roman Terra Nostra. Cette fresque historique, a-t-on pu dire, ne relève en rien du réalisme et je suis persuadée qu'une thèse ou plusieurs restent à faire sur le grotesque et le fantastique dans votre œuvre et le lustre que vous avez su leur donner et le renouveau que vous avez su leur imprimer. Car l'une de vos grandes facultés est d'avoir su décloisonner avec brio les genres et les styles. Sur près de 1000 pages, Terra Nostra met en scène le déclin de l'Espagne, l'Inquisition, l'expulsion des Maures et des Juifs, la découverte du Nouveau Monde et plus particulièrement du Mexique précolombien, où les divinités du panthéon aztèque s'abreuvent du sang des sacrifiés.
Cependant, le début et la fin du roman, vous le disiez tout à l'heure, chers collègues, Florence Olivier, Dorita Nuo, se situe à Paris, à la veille de l'an 2000, dans une atmosphère apocalyptique. Toutes les femmes sont en train d'accoucher. Les flagellants envahissent Saint-Germain-des-Prés. On attend l'élu qui saurait créer un nouveau monde, fait du brassage du multiple et de tolérance. On le reconnaîtra à sa croix rouge peinte sur son dos. Cet élu avait été sur le point de concrétiser ce nouveau monde tant attendu au XVIe siècle avec la découverte des Amériques. Dans cette fresque foisonnante et baroque, vous recréez le rêve millénaire d'un monde multiple. Terra Nostra configure un labyrinthe, un univers tourmenté, allégorique, effervescent et tourbillonnant, qui tiendrait de l'œuvre picturale de Jérôme Bosch, dont une superbe description d'ailleurs figure dans l'œuvre. Ce déferlement de faits, d'anecdotes, de personnages historiques, comme le personnage du Seigneur, à la fois Charles Quint, Philippe II, de personnages littéraires comme Don Quichotte, La Célestine, Don Juan, de discussions métaphysiques, religieuses, esthétiques, s'inscrit dans une tradition baroque que l'un de vos personnages de l'œuvre définit comme, je cite, « une floraison instantanée, si pleine que sa jeunesse est sa maturité et sa magnificence son cancer. Un art qui, telle la nature, a horreur du vide et remplit le moindre espace laissé par la réalité. » Et à mon sentiment, c'est cette œuvre, mais il y a un arbitraire du lecteur, il faut le dire. À mon sentiment, c'est cette œuvre qui, sans doute plus que tout autre de vos livres, illustre de manière éblouissante la fonction de, les fonctions de l'écriture fictionnelle et leur prodigieuse liberté au regard de l'historiographie. Je cite « Pourquoi nous conterais-tu seulement ce que nous savons déjà ?» au lieu de dévoiler ce que nous ignorons. Pourquoi nous décrirais-tu seulement ce lieu et cette époque, et non pas tous les lieux et tous les temps invisibles que les nôtres contiennent? Pourquoi, en résumé, devrais-tu te contenter du laborieux écoulement du successif, quand ta plume t'offre la plénitude du simultané? C'est ce que vous faites dire à l'un de vos personnages dans Terra Nostra. Embrasser ici l'étendue de votre œuvre, à l'ensemble de laquelle vous avez donné le titre superbe de La Edad del Tiempo, l'âge du temps et tâche utopique. Si l'histoire, le politique, la culture, l'écriture et leurs liens sont l'objet central de vos œuvres, il y a encore tout un ensemble de nouvelles et de romans que je vais égrener parce qu'ils exaltent la figure féminine de manière particulière. Depuis la merveilleuse nouvelle Aura, en passant par le roman Zona Sagrada, Diane ou la chasseresse solitaire, Los Años con Laura Díaz, L'instinct d'Inès, jusqu'à Carolina Grau en 2010, à nouveau un roman fait d'une mosaïque de nouvelles, vous explorez la féminité. L'épigraphe de Aura, lors de sa récente réédition, éclaire, je crois, en partie votre quête. Vous citez Jules Michelet. C'est un extrait de La sorcière de 1882 de Michelet que vous citez. Je le cite. Tout peuple primitif a même début. L'homme chasse et combat. La femme s'ingénie, imagine. Elle enfante des songes et des dieux. Elle est voyante à certains jours. Elle allait l'infini du désir et du rêve. Simple et touchant commencement des religions et des sciences. Plus tard, tout se divisera. Mais au début, la femme est tout. Fée, sorcière, magicienne, sibylle, Circé, Cassandre, les femmes dans votre œuvre sont personnages dotés d'extraordinaires pouvoirs. Et vous ne cessez de parcourir
comme un territoire à découvrir au fil des jours et des années, avec beaucoup de subtilité, la féminité, ses méandres et ses mystères, son rôle historique et symbolique aussi, tel ce personnage de Malintzin, la Malintzie, récurrent, personnage récurrent de vos romans et de vos essais, que l'on retrouve encore dans La frontière de cristal sous ce nom magnifique de Malintzin de las Maquilas, nouvelle qui est le cœur structurel de cet ensemble. Car peut-être, dites-vous, celle qui sauve et perpétue les voix de tous, des vainqueurs et des vaincus, des Indiens, des Européens et des Métis, est une femme, la princesse Malintzin, offerte à Cortés le conquistador, devenue Doña Marina par le baptême, connue comme la Malinche, la traîtresse qui s'offrit au conquérant, à l'envahisseur, qui devint sa maîtresse, mais aussi son interprète, et qui, grâce aux mots, à la langue, à la parole, donc, et à sa connaissance de l'univers indien, permit à Cortés de conquérir le Mexique. D'elle naquit le premier Mexicain, le premier Métis, Martin Cortés, et vous en dites ceci, et je trouve ces mots, ils m'ont provoqué un éblouissement quand je les ai lus. Elle fait de nous, donc Doña Marina ou Malintzin, elle fait de nous les descendants des Indiens et des Européens des Amériques, les témoins du terrible événement de notre mort et de notre immédiate résurrection. Et puis, je ne finirai pas cet éloge sans parler de vos essais sur la littérature, brillants, fracassants, lucides. Depuis la Nueva Novela Hispanoamericana de 1969, publiée à Mexico, qui est une remarquable analyse consacrée au roman latino-américain et à la fracture que supposa le boom des années 60, dans lequel vous avez joué un rôle fondateur et essentiel en rassemblant autour de vous dans l'amitié ceux qui sont devenus aussi de grands écrivains comme Cortázar, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa et tant d'autres. Donc, depuis la Nueva Novela Hispanoamericana jusqu'à cette autre œuvre critique de 2011, La Gran Novela Hispanoamericana, vous n'avez cessé d'être habité par une généreuse passion, gloser et faire connaître les œuvres des écrivains latino-américains contemporains, de ceux du passé aussi. Car si le boom des années 60 et 70 fit connaître au monde entier l'écriture des jeunes écrivains d'alors, vous savez avec clairvoyance, et je vous cite, que le boom en réalité est le résultat de 4 siècles de littérature, un moment culminant où la fiction devint la seule manière d'organiser les leçons du passé. Et cette littérature dont vous analysez les évolutions, dont vous révélez les significations, cette langue espagnole en mouvement sont hybrides, métissées. Vous en dites ceci. Nous, les Indo-Ibéro-Américains, nés de la catastrophe de la conquête, nous avons été immédiatement des métis, des hommes et des femmes de sang indien, espagnols et plus tard africains. Fin de citation. Cette littérature, héritière de la littérature espagnole, mais aussi européenne, mais encore des cultures gréco-romaines et précolombiennes, est un lieu palpitant de rencontres et de reconnaissance. Et votre œuvre, dont vous ne parlez jamais dans vos essais critiques par une extravagante modestie, votre œuvre en est la très belle illustration. Pour conclure, je célèbre ici votre immense labeur, le foisonnement de votre œuvre, l'éclat de vos écrits, votre extrême générosité, la clairvoyance et le talent qui sont les vôtres, votre foi à la parole et à la fiction. Et je vous laisse le dernier mot lorsqu'à l'article lecteur de votre dictionnaire personnel, Ernesto Creo, de 2002, c'est en ceci que je crois, vous affirmez, je le dirai d'abord en espagnol puis en français. Hoy, más que nunca, un escritor, una biblioteca nos dicen. Si nosotros no nombramos, nadie nos dará un nombre. Si nosotros no hablamos, el silencio
impondra su oscura soberanía. Aujourd'hui, plus que jamais, un écrivain, une bibliothèque, nous dit ceci. Si nous ne nommons pas, personne ne nous donnera un nom. Si nous ne parlons pas, le silence imposera sa ténébreuse souveraineté. Merci, Carlos Fuentes. Monsieur le Président de l'Université de Bordeaux, Patrice Brun, Madame le Professeur Elvira Gomez-Vidal-Bernard, Monsieur l'Ambassadeur du Mexique en France, Carlos de Icaza, merci de vos propos, Monsieur le Président, Madame le Professeur. Avant tout, je voudrais évoquer la profondité et la continuité de la relation franco-mexicaine. Pendant la guerre, le Mexique a été le foyer de Benjamin Perret, de Jacques Soustelle, de Gilles Supervielle, mais aussi, je me rappelle que le Mexique a été le premier pays au monde à reconnaître le gouvernement de Londres, le gouvernement de la France, le gouvernement de Charles de Gaulle. Nous avons été les premiers. Nous avons reçu l'ambassadeur Garrod-Ombal. Et à partir de ce moment, les relations entre les deux pays ont été marquées et le seront toujours par la profondité et la continuité. Et rien ne peut briser ça. Et c'est pour ça, essentiellement, que je suis ici aujourd'hui. Merci. Être reçu dans cette prestigieuse université est pour moi un immense honneur. Je me trouve sur une terre qui appartient à tous les écrivains. Il s'agit de la patrie de Michel de Montaigne, sans l'œuvre duquel nous éprouverions des difficultés à comprendre le terme même d'essai. En tant qu'approche incertaine, mais lucide, d'un monde libéré du dogme. L'essai était pour Montaigne consubstantiel à son auteur, sceptique, conscient de la faillibilité humaine, mais aussi des possibilités humaines, parmi lesquelles celle d'obtenir le savoir d'un moi extraordinaire et donc plus fort que la mort. L'enseignement de Montaigne et l'enseignement de l'ouverture, de l'interminable, maître de l'acier froid, maître de l'acier froid, comme le décrit le romancier chilien Jorge Edwards dans son récent ouvrage « La mort de Montaigne », hommage latino-américain à l'auteur français qui nous apprend à écrire sans tout dire, être présent au cœur de l'absent, à réfléchir et à écrire pour les lecteurs, pour un seul lecteur et parfois pour le lecteur idéal qui n'est, nous dit Montaigne, qu'une fiction parmi d'autres. Quand vers 1950, le romancier mexicain Juan Rulfo fit son apparition, on demanda à notre grand polygraphe Alfonso Reyes quelles sont les influences dans l'œuvre de Rulfo. C'est à quoi Reyes répondit, 10 000 ans de littérature. Ah oui,
peu de choses plus réductrices que la prétention d'un auteur à l'originalité. Tout écrivain crée parce qu'il hérite, et il hérite parce qu'il crée. Il n'y a pas de création sans tradition, ni de tradition sans création. Dans ma propre œuvre, on a relevé l'influence de William Faulkner, John Dos Passos, mais il y a une autre influence qu'on ne mentionne jamais, peut-être parce que c'est la plus secrète et la plus profonde. C'est celle de François Mauriac, enfant de Bordeaux, mes auteurs universels que j'ai lus avec délectation pendant que j'écrivais La mort d'Artemio Cruz. Surtout le roman Le nœud de vipère, exaltation finale de la nécessité d'être aimé sur la rive de la mort. Être aimé, Thérèse la désespérée. La délectation couchée de Maria Cross, la réconciliation finale de Gabriel Grader, avec toutefois la présence de l'avarice, de l'inceste, de l'homicide, du mal. Peut-être aucun romancier contemporain ne peut-il autant que Mauriac nous rapprocher davantage de nos propres contradictions latino-américaines. Pourquoi ? L'Amérique latine est un continent catholique, mais au Mexique, le christianisme cohabite avec un paganisme ancien. Le monothéisme cohabite avec un panthéon de dieux indigènes. Je crois que le christianisme a été accepté par le peuple mexicain conquis parce qu'il a rapporté sur Dieu le sacrifice que ses victimes devaient auparavant au Dieu. Un Dieu crucifié et sanglant. Au Mexique, il n'y a pas une église où la figure du Christ sur la croix, du Christ sur le chemin de Golgotha, le Christ injurié n'occupe pas un lieu central. Cela nous renvoie à l'origine même de notre littérature. La littérature du continent américain commence et se perpétue dans la mémoire épique, ancestrale et mythique des peuples de l'origine. L'Amérique, l'hémisphère occidental, fut un jour un continent inhabité. D'origine asiatique ou polynésienne, la population indigène de notre hémisphère prononça nos premières paroles. Elle évoqua la création du monde dans le Popol Vuh et la destruction du monde dans le Chilam Balam. On peut entendre aussi des beaux chants d'amour et des paroles d'enseignement et des accents belliqueux et cinglants. Leur rythme, leurs souvenirs, peut-être leur mélancolie, restent sous-jacents dans la littérature espagnole d'Amérique, commencée par l'écriture de feu de Bernal Díaz del Castillo et le réalisme magique des premiers chroniqueurs et navigateurs. Cependant, dès que les structures de la puissance coloniale furent établies, l'imagination fut exilée. Il fallait supplanter les cultures indigènes que cependant réapparaissent transformées dans le baroque américain. Comme manifestation indo-européenne dans l'œuvre de l'architecte indigène de Potosí, José Condori, ou encore comme manifestation afro-européenne dans l'œuvre de l'architecte brésilien de Ouro Preto, El Jandinho. Les autorités coloniales interdirent la rédaction et la circulation des romans, alléguant que lire de fiction était dangereuse pour une population récemment convertie au catholicisme. Et tout bien considéré, c'est faire l'éloge du roman que de le juger dangereux. Tout aussi dangereuse pouvait être la parole poétique. Si l'on considère le cas du plus grand écrivain de l'époque coloniale, la religieuse mexicaine Sor Juana Inés de la Cruz, encensée, exaltée,
rabaissée et pour finir interdite de parole par l'autorité ecclésiastique coloniale. Il est normal qu'en 1810, année où éclate la guerre d'indépendance, l'imagination littéraire se réveille avec un roman, Les Periquillos Sarniento, de Fernández de Lizardi, le Mexicain Fernández de Lizardi, affirmation d'un nationalisme linguistique et d'une thématique centrée sur la description de mœurs, le costumbrismo, qui finirait pour se perdre dans le méandre de ce que l'on a appelé l'imitation extra-logique des modes littéraires de l'Europe, le romantisme, le réalisme, le naturalisme. Mais le 19e siècle en Amérique latine est surtout marqué par une nécessité impossible à surseoir, donner une identité aux nouvelles nations indépendantes. D'où la priorité accordée aux études historiques. Au Mexique, José María Luis Mora consacre 3 tomes au Mexique et ses révolutions, analysant dans les détails, je cite, l'état actuel du pays. Au Chili, si des grands auteurs tels que Victorino Lastarria écrivent, c'est pour établir l'histoire de la nation. Le Vénézuélien Andrés Bello se propose, lui, d'établir dans une perspective historique un lexique de la langue espagnole aux Amériques. Tandis qu'en Argentine, un grand écrivain, qui est aussi un grand homme d'État, Domingo Faustino Sarmiento, produit l'œuvre capitale du 19e siècle latino-américain, Facundo, à la fois biographie du Turien Facundo Quiroga, description de la géographie argentine, évaluation de son économie, critique de sa politique et option généralisée, civilisation ou barbarie. Tout un programme politique et culturel. Pour Sarmiento, la civilisation, c'est la modernité de l'Europe et de l'Amérique du Nord à laquelle nous devrions aspirer. La barbarie, c'est la pensée coloniale espagnole et aussi le monde indigène et la négritude, une idée restrictive mais représentative de ce besoin postcolonial en Amérique espagnole d'être moderne. Le Facundo de Sarmiento n'est pas seulement le portrait du tyran cruel qui porte ce nom, Facundo Quiroga, un oppresseur, un assassin capable de tuer un homme à coups de pied ou de mettre le feu à la maison de ses propres parents parce qu'il ne lui prêtait de l'argent. Il est le prototype des dictateurs de Carpentier, de Roa Bastos, de García Márquez et de Vargas Llosa. Le réalisme romantique du 19e siècle a dégénéré en réalisme naturaliste, plat, informatif, qui provoque une réaction du langage. De quelle puissance, nous demandons-nous, la langue est-elle capable? Lui donnons-nous toutes ses chances ou les lui refusons-nous au nom d'un dogme réaliste? Ou même d'une pluie de dénonciations? D'autre part, l'imagination ne fait-elle partie du réel? La réalité peut-elle exister sans l'imagination? Mon œuvre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, hérite de tout ce que je viens de dire et propose des questions qui sont au centre même de ma propre écriture. Le Mexique a été conquis par la souffrance du Christ et par la bonté de sa mère au Mexique, la Virgen Maria, la Virgen de Guadalupe. Je le mentionne dans le but de comprendre les conflits immenses et fascinants du Mexique civil, libre penseur, légaliste, afin d'imposer un ordre politique citoyen distinct de l'ordre religieux, quoique finalement porté des questions d'un métissage qui, pour être espagnol,
n'est pas moins indigène, et pour être indigène, ne se sépare pas de l'Europe. D'où nos questions originales, que sont les miennes, celles de mes livres, quelle est notre place dans le monde? Envers qui devons-nous nous montrer loyaux? Nos pères espagnols, nos mères aztèques, mayas, quechuas, araucanes, à qui devons-nous parler maintenant? Aux anciens dieux ou aux nouveaux? Quelle langue devons-nous parler maintenant, celle des hommes conquis ou celle des conquistadors? La grande option entre toutes fut peut-être la langue même, comme option centrale de notre nouvelle civilisation. Les douleurs de la conquête, les divorces du métissage, la coexistence du passé indigène et du présent européen, ils furent reçus, conciliés, dans une tension permanente par la littérature. La grande libération poétique du langage donne des ailes à une prose imaginative, rénovée et poétique en ce sens qu'elle fonde la réalité par la parole. Rulfo, Borges, Carpentier, Cortázar, Asturias, Onetti, le Samalima incarnent ce que nous pourrions évoquer le pré-boom hispano-américain, à peine une demi-douzaine d'auteurs. Vient ensuite le boom avec une dizaine et même une vingtaine d'écrivains, qui s'élargira très vite un post-boom, un mini-boom et même un anti-boom, jusqu'à compter une bonne centaine d'excellents romans de langue espagnole du Mexique au Rio de la Plata. Un des aspects importants de cette période est la floraison des femmes écrivains. Un autre, le déplacement de l'ancien monde rural vers la ville moderne. Un autre encore, l'impressionnante variété de styles, de tendances, des sujets, des références et d'options. On ne peut parler aujourd'hui d'une seule école littéraire, réalisme social ou réalisme magique, roman psychologique ou roman politique, l'art pour l'art ou l'engagement. Ces catégories du débat précédent ont été dépassées par deux éléments qui définissent véritablement la littérature, l'imagination et les langages. Nous avons récupéré notre passé. L'épique de Bernal Díaz del Castillo, conquérir, mais en même temps avoir le sens de l'horreur de votre conquête. La poésie de Sor Juana Inés de la Cruz, la doute du rêve. Les essais d'Alfonso Reyes, l'humanisme de la modernité, et la modernité de l'identité. Enfin, le roman de Juan Rulfo, un arbre sec, couronné d'or et d'épines. Mais voici la littérature a fait nôtre, finalement, la langue du conquistador, l'espagnol. Mais la littérature a fait nôtre aussi l'imagination du peuple. La langue espagnole nous permet de comprendre et nous comprendre nous, entre nous, pour nous et en dehors de nous. Il y a 50 millions d'hispanophones aux États-Unis, 50 millions. Et un Guarani de Paraguay ne comprendra un Maya mexicain que grâce à la langue commune, l'espagnol. D'où le dilemme suivant. Le fait que les citoyens indigènes comprennent d'autres citoyens blancs et métis, mais ne se comprennent pas entre eux. Que les citoyens hispanophones de l'Amérique du Nord participent pleinement à la vie des États-Unis, mais qu'ils l'enrichissent de la pluralité des hispanophonies mexicains, cubains, dominicains, colombiens, puertoricains.
Dans ma jeunesse, on parlait de nationalisme et d'internationalisme. Aujourd'hui, on parle en termes de globalisation, Mais on globalise les produits et les valeurs matérielles. Le travail, en revanche, est discriminé, dépouillé de ses droits, abusé. Rien de tout cela n'est étranger à la langue dans laquelle on parle, on pense, on aime, on rêve, dans laquelle on s'approche les uns des autres. D'où un retour à la question de la coexistence de valeurs civiles et religieuses, la coexistence des cultures anciennes et cultures modernes, la conscience des minorités et des majorités, le respect qu'on doit aux différences tant qu'on ne les stigmatise pas par des signes d'oppression et d'injustice. Le signe politique de cette coexistence est la démocratie. Le signe axiologique est la culture. Et le signe personnel, humain, est celui qui nous offre Bordeaux. La pensée de Montaigne, l'œuvre de Mauriac, la pensée de Montaigne, conscience de la faillibilité humaine, mais aussi de la possibilité humaine. Et Mauriac, présence du mal, mais aussi de la conciliation par le biais de l'amour. Fallible et possible, maudit et amoureux. Cela ne constitue-t-il pas les leçons de Bordeaux pour nos propres conflits? Nous ne pouvons éviter la défaite si nous ne maintenons pas la fidélité au possible. Nous ne pouvons pas aimer si nous n'admettons pas la part du mal qui guette toute intention amoureuse. Nous ne pouvons pas nous réfugier dans des dogmes exclusifs de la possibilité humaine pluraliste. Nous ne pouvons pas invoquer la mort avant de nier la vie. Et je parle ici comme Mexicain, toute est vie, y compris la mort. Qu'avons-nous fait au cours de notre passage? Qu'avons-nous laissé sur la terre? La leçon de Bordeaux, Monsieur le Président, la leçon de Montaigne, la leçon de Mauriac, c'est qu'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de femme ni d'homme qui n'apporte, ne laisse pas quelque chose de mémorable, d'irremplaçable lors de son passage en ce monde. Rien ne rend plus concrète cette leçon que l'université, car l'université est l'espace privilégié de la reconnaissance, du moins dans les toits et du toit dans les nous. Il n'y aura de paix que dans la reconnaissance de la différence comme partie de notre propre identité. Seule cette disposition mentale vainc la xénophobie et le racisme qui menacent la coexistence créative du pluriel au sein de toutes les sociétés. L'Université de Bordeaux, Monsieur le Président, la leçon de Montaigne, la leçon de Mauriac, c'est qu'il n'y a pas d'être humain. Il n'y a pas de femme ni homme qui n'apporte une lèse, quelque chose de mémorable, d'irremplaçable lors de son passage en ce monde.
L'Université de Bordeaux, monsieur le recteur, s'ouvre sur le monde et opte pour la littérature comme horizon des possibilités de notre monde actuel. Non, l'histoire n'est pas finie, parce que nous n'avons pas fini nous-mêmes. Nous n'avons pas fini. Monsieur le Président, Madame le Professeur, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, je reçois avec gratitude, mais également comme un engagement, le doctorat de l'Université de Bordeaux. L'engagement consiste à être fidèle aux valeurs que l'université propose et définit. La gratitude, à savoir que je fais désormais partie de votre. Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Carlos Fuentes, il est d'usage, après une cérémonie, de vous remettre d'abord les insignes officiels de docteur honoris causa. L'épitole, d'abord. Ainsi que le diplôme d'honneur. Diplôme docteur honoris causa. Mais bien entendu, il n'était pas question de vous laisser partir sans... des petits cadeaux, puisque justement vous avez parlé de Montaigne, voici les essais de Montaigne dans la collection La Pléiade. Et puis bien sûr comme vous êtes à Bordeaux, des grands crus, je pense, ne devraient pas vous déplaire. Hein.